j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo boîte aux lettres. Je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de colis qui m'attendent. Alors il y en a 2, 4 et 6 parce qu'il y en a un autre qui est juste à côté, qui est énorme aussi, qui est ici. Donc voilà, d'ailleurs je vais le mettre par là, comme ça je vais pas l'oublier. On va commencer par ce colis là, qui est un colis de la marque Blanc Crème. Je les ai pas ouverts, j'ai juste facilité les ouvertures, mais j'ai pas ouvert dedans, donc je sais pas du tout comment c'est. Donc voilà comment c'est présenté. C'est trop mignon. Alors je sais pas si vous connaissez Blanc Crème, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo sur un soin pour le corps, enfin un lait pour le corps, une sorte de beurre pour le corps, qui était dans ce format là, un peu style confiture. Et j'avais adoré, je sais plus l'odeur, mais j'avais adoré. Et ils font pas mal de petites choses, vous les trouvez beaucoup sur vente privée, et puis bah, sur le site Blanc Crème je pense. Et du coup ils ont tout ce qui est exfoliant aussi, ils ont vraiment les baumes à lèvres, il y a quoi, des gommages que vous devez faire vous-même. Il y a des gommages aussi qui sont déjà tout prêts, enfin bon, toute une gamme pour le bain. Et là, les nouveautés, ce sont les savons Madeleine, des savons en forme de Madeleine, comme ceci. Du coup, bah, j'avais trop envie de tester. D'ailleurs, sur le site boutique.blancrème.com, un produit par mois offert pour la meilleure photo si vous faites avec le arrobas Blanc Crème, si ça vous dit, oula, il y a trop de lumière. Donc, j'ouvre tout de suite le paquet. Alors, c'est hyper bien protégé, il y avait 10 milliards de petits papiers à l'intérieur. Et du coup, je vais pouvoir découvrir 3 savons de la marque. Ils sont énormes, hein, les savons en forme de Madeleine, elles sont énormes. J'avais choisi, je pense, Madeleine, l'odeur Madeleine, noix de coco et le dernier, verveine. Je trouve que c'est trop mignon le packaging pour offrir. Je sais pas si vous verrez bien, c'est hyper bien fait, comme si c'était bah, un petit peu des Madeleines et tout. Donc je trouve ça pas mal fait. Et voyons voir si ça sent bon. Oh mon dieu, ça sent tellement bon. Regardez-moi comment ils sont beaux. Ils ont vraiment une forme de madeleine. Celui-là, la madeleine, il faut avouer qu'il sent divinement bon. Divinement bon. Alors celui, savon exfoliant à la noix de coco, c'est pour ça qu'il y a des petits grains à l'intérieur. Vous verrez peut-être. Et bah, les autres, c'est des savons parfumés. J'ai hâte de les tester. Et verveine, il est super. Il est super frais. Il sent super bon. Donc j'avais le droit de choisir les 3 que je voulais, les 3 odeurs que je voulais. Je suis conquise déjà par ce premier coup. Ensuite j'ai un colis Lush, on reste dans les odeurs et un peu tout ce qui est qui fait du bien au moral, surtout avec l'hiver qui arrive. Donc Lush, c'est la collection d'hiver que la marque m'envoie généreusement. Donc je suis ravie, j'adore Lush, vous le savez déjà. Donc voici, coucou Karine, voici une sélection de notre collection de Noël 2017. Donc bah, c'est top, c'est hyper bien protégé hein, comme d'habitude. Je vais devoir voir tout ça avec Lush, ils ont quand même pas mal de nouveautés que j'ai trop envie de découvrir. Donc là on a un exfoliant pour les lèvres, bah, génial. En forme de petits bâtonnets comme ceci. Vous le voyez? Donc c'est le Sugar Plum Fairy exfoliant à lèvres avec du sucre, de l'huile de jojoba bio, des huiles essentielles d'amande douce, etc, etc. Et ça sent super bon et je suis super contente d'en découvrir un comme ça en sorte de morceau. Ça c'est une belle découverte. Je savais pas du tout que Lush avait sorti ça. Ensuite, j'ai une lotion pour le corps et je suis ravie. J'adore les lotions pour le corps en ce moment, c'est mon kiff. C'est la Once Upon a Time bah, de chez Lush. Hein. Donc je ne sais pas du tout à quoi aller. Lime, alors ça doit être au citron. Ah, c'est super frais, c'est un petit peu vert comme ça. Ah, ça sent super bon. Donc il y a du citron, de la l'huile de jojoba, de l'huile d'amande, de la pomme. Voilà, il y a cette petite pointe de pomme. Et quoi d'autre? Après je ne connais pas, parce que vu que c'est en anglais je ne sais pas. Mais en tout cas on va dire que c'est ça la base et ça sent super bon, donc ça je suis ravie. Ensuite on a un espèce de truc en forme de cloche, comme ça, rose. Et qu'est-ce que c'est donc? Un soin hydratant à rincer solide. C'est sympa ça, le Snow Fairy. Ça c'est que des nouveautés quoi. Un soin hydratant sans emballage, c'est magique. La cerise, l'avocat et la mangue fondent sur votre peau pour une douche revitalisante. Beurre de gagao, bio, issu du commerce équitable, eau aromatisée à la barbe à papa. C'est ça qui donne cette odeur gourmande. Beurre d'avocat, beurre de mangue, huile d'amande douce, que des bonnes choses. Ça a l'air super bien. En fait, vous passez ça sur votre corps, je pense, sous la douche. Et après, vous rincez et ça vous hydrate la peau. Et ça sent bon. Je détesterai. Mais vraiment, je reviendrai dessus parce que je pense que ça vaut le coup là, de revenir dessus. Et je pense au dernier produit, qui est une boule comme ça. Et c'est la Snow Fairy, la Jelly Bowl. C'est une boule de bain toute simple, un peu à l'odeur de
Bah papa, ça sent divinement bon, elle est blanche et rose comme ceci. Moi j'adore les boules de bain, j'en ai plein et je les adore. Je pense que c'est tout dans le colis de Lush. C'était tout. On passe au colis suivant et qui est un petit colis tout merveilleux. Coucou. Vous reconnaissez un peu ces enveloppes bizarres? C'est un colis Mercy Andy. Et ce colis est spécialement en partenariat avec Mercy Andy, oui. Je vais vous dire, il y a plein de partenariats. Bah oui, parce que des fois je vous montre des commandes, des fois je vous montre des partenariats. Mais surtout... Surtout, la marque vous propose de gagner, vous aussi, cette petite merveille. Je vous en ai parlé dans ma vidéo, ma dernière vidéo, produit terminé. C'est une enveloppe qui contient le fameux, la dernière nouveauté de chez Mercy Andy. C'est dommage qu'ils aient fermé la boîte parce que j'aurais voulu garder l'enveloppe. Donc Mercy Andy m'ont envoyé et vont vous envoyer. Donc il y aura 4 gagnantes pour le concours. On vous propose de gagner ce fameux, la dernière nouveauté de chez Mercy Andy qui est le gel antibactérien édition limitée licorne avec un petit peu les larmes de licorne à l'intérieur. Il est tout pailleté avec des petites billes bleues. Il est sublimissime, il sent très très bon, je l'avais déjà senti. Je suis ravie de vous le faire gagner sur mon Instagram et mon Facebook. Donc n'hésitez pas tout de suite maintenant à me retrouver sur ces deux réseaux sociaux là pour gagner vous aussi votre petit gel antibactérien. Et je suis trop contente que Mercy Andy me l'ait encore envoyé et propose de vous le faire gagner, donc je suis super contente. Dans ce colis, donc, il y a le produit avec les licornes, l'édition Unicorn Edition, et il y a aussi à l'intérieur le Mercy Andy Flower Power, que j'aime bien, mais c'est pas mon chouchou, on va dire, mais mon chouchou, c'est celui-ci que j'adore, je l'ai déjà dans mon sac à langer, le New Way, qui a une odeur, mais je sais pas, elle me rappelle trop de souvenirs, cette odeur, je pourrais même pas vous dire, je sais pas, mais elle me retourne à chaque fois, parce qu'elle me rappelle des souvenirs d'enfance, donc je suis ravie de ces trois petits produits encore de chez Mercy Andy, et je suis ravie de vous en faire gagner 4, juste 4, c'est énorme, merci. Ensuite, dans mon colis blanc, on découvre un produit comme ceci, qui doit être un produit de la marque Rivadouce, je crois. J'ai recommandé des petits produits Rivadouce pour mes enfants, et celui-ci, c'est la petite eau de senteur à l'extrait naturel de fleurs de lotis blanc. C'est une des nouveautés de chez Rivadouce. Moi, j'avais déjà l'ancienne, que ma fille a totalement adorée et a totalement terminée. Donc, elle est comme ça, le packaging, il est comme ça. L'ancienne, il sentait très 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 bon. Et du coup, celui-ci, on va le tester. Oh là là, ça sent très très bon. C'est un peu moins fort, on va dire, que la précédente. C'est peut-être parce que c'est le lotus blanc qui est doux. Mais ça rappelle trop l'odeur de bébé, c'est parfait. Donc ça, je suis ravie. Ça se présentait comme ça, d'ailleurs. Un autre colis. Encore une fois, des produits Rivadouce. Cette fois-ci, on a le gel doux lavant, corps et cheveux. Ça a l'air d'être un peu des nouveaux packaging, on va dire, parce que j'avais déjà les anciens Rivadouce qui étaient, ma foi, très très bien. Je les ai toujours adorés, ces produits-là. Mais du coup, là, je vois que c'est des packagings qui sont un petit peu plus différents. Donc, on a le gel douche lavant et l'eau nettoyante visage et corps sans rinçage. Donc ça, c'est parfait, c'est le top. D'ailleurs, le gel douche, moi, j'ai utilisé pas mal de fois. Vous l'avez sûrement vu dans des produits terminés parce que j'adore pour mes enfants, il est parfait. Comme d'habitude, il est 95% d'origine naturelle, ne pique pas les yeux, testé sous contrôle dermatologique, hypoallergénique. Je crois qu'il est sans parabènes, etc. Enfin bon, il est plutôt pas mal au niveau de la composition. Juste, il y a du phénéthyl alcool, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais il est plutôt pas mal au niveau de la compo. Donc ça c'est top. J'ai reçu aussi une petite enveloppe comme celle-ci du site Sublime. Et d'ailleurs, là aussi, encore une fois, c'est un concours. La marque vous propose de gagner le produit que j'ai choisi de la marque Pulpe de Vie, qui est un produit bio. J'avais envie de tester ce petit produit-là qui est Émoustille-moi, qui est une huile moussante visage pour nettoyer et hydrater et adoucir la peau. Je trouvais ça sympa d'utiliser une sorte d'huile moussante sous la douche. Je sais pas du tout ce que vous allez en penser, si vous connaissez déjà, mais moi je connaissais pas du tout. Et voilà, ça se présente comme ça, c'est un petit packaging assez sympa, pratique pour sous la douche. Et vu que c'est en texture huile, j'avais hâte de voir ce que ça donnait. Et de l'utiliser sous la douche pour me nettoyer le visage. La marque Pulpe de Vie est vraiment très très bien réputée pour tout ce qui est produits bio et soins. Donc j'ai hâte de tester et bien sûr, comme tout à l'heure, sur Instagram et sur Facebook, vous pourrez vous aussi le gagner. Et
pour finir, le colis de mon abonné Sandra, si tu passes par là. Mais si tu passes pas par là, je ne comprends pas parce que tu commandes toutes mes vidéos. Donc Sandra, déjà je te remercie. J'ai pas encore ouvert ton colis, j'ai juste ouvert pour pas que ça fasse trop de bruit parce qu'il était vraiment bien fermé. Mais je te remercie déjà par avance pour ce colis. En fait, Sandra est une abonnée qui vit en Corse et a décidé de m'envoyer un petit colis avec des petits produits de chez elle. C'est juste adorable. Merci Sarah. Sandra, je suis fatiguée. Merci Sandra. Et pour info, bien sûr, je vais lui renvoyer un petit colis. C'est obligé. Je peux pas. J'aime pas recevoir des choses et ne pas répondre. Même si elle, je pense qu'elle le faisait par bon cœur, j'aime bien répondre quand même. Donc je lui mettrai un petit colis. Donc voici comment c'est présenté à l'intérieur. J'espère qu'il n'y a pas de casse parce que mon facteur, comme vous avez vu dans le titre, il a juste empilé tous ses cartons dans la boîte aux lettres. Genre il a fait Tetris, il a essayé de tout mettre à l'intérieur, il a blindé un max. Et ça me saoule quand il fait ça parce que du coup il force sur les colis et il y a de la casse. Donc ça m'énerve. Donc, oh là là, mais ça a l'air d'être des trucs génial. Donc c'est des trucs, c'est pas de la beauté, logiquement, c'est que des trucs à manger. Elle sait que je suis un peu gourmande. Et des trucs typiques de la main. Elle a bien protégé ça, donc c'est top, top, top. Le premier petit paquet, oh là là, ça a l'air divin. C'est, alors, maison Capaccini, confiture artisanale. Donc il y a confiture de figues, confiture de clémentine de Corse. Oh. Confiture de châtaigne. Comment vous dire que mon mari il adore la châtaigne, mais je pense pas que je vais lui donner. On va partager, mais bon. Regardez-moi ça, c'est trop mignon, on sort de petit packaging comme ça. Mais ça a l'air divin. Mais comment je fais, Sandra, si j'adore? Comment je fais? Je vais devoir les retrouver après. En tout cas, clémentine de Corse, c'est cool. Châtaigne, c'est parfait. Figue, j'adore. Donc là, déjà, gros top. Elle m'a mis du nougat, là, je le vois à travers. Elle a tout protégé, c'est trop bien. Oh là, du nougat aux amandes, nougat au miel de Corse, de la marque Charles Antonin, nougat de Corse. Oh, mais là, ça va faire mon 4 heures. Hein. Oh là 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 là. C'est divin. Un autre petit paquet qui a l'air d'être du chocolat ou quelque chose à base de chocolat. Ça me plaît bien, tiens. Oh là là, ce sont des biscuits. Alors, de la fabrication Marioni Biscuiterie. C'est marrant parce que les noms depuis tout à l'heure, un peu les noms corses, ça fait un peu les noms italiens. Bon, je sais si je dis ça, peut-être je vais me faire taper. Hein. Et ce sont vraiment que des produits corses qui ont le code postal de la Corse, etc. Je vous avoue, je connais pas trop les codes postales de la Corse, mais voilà. Donc c'est les Canistrelli chocolat spécialité corse. Ça a l'air divin, ça, Sandra. Ça a l'air divin. Je vous montre. Ah, bon, bah je crois que tout à l'heure avec le thé, j'ai tout ce qu'il me faut. Ensuite, on a un petit pot. Ça, ça a l'air d'être du salé, pardon. Heureusement qu'elle a hyper bien protégé parce que c'est super bien. Vu comment il était le colis, j'avais vraiment peur. Ça, c'est un petit pot de salé. Donc, comme je disais, Corsica Tapas by Charles Antonin. L'apéritif tomate séchée et Tom Corse. Oh, trop bien. Et mais je vais vous snapper et vous mettre des Instagram de tout ça quand j'aurai goûté et vous en dire des nouvelles. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à Snapchat pour voir un peu tout ce que je raconte. Elle m'a mis une petite carte, j'ai même pas vu. Non mais la fille qui était pressée pour s'ouvrir. Oh, elle est magnifique la carte. Oh là 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 là. Oh, joyeux anniversaire, un petit peu en avance hein. Mais une semaine d'avance, mais oh, c'est trop adorable, elle est trop belle. Elle est trop belle. Coucou, voilà comme promis un colis, ce petit colis pour toi pour te faire découvrir quelques petits produits de chez moi. J'espère que tout te plaira, tu m'en diras des nouvelles. En tout cas, continue, tu es juste top. Merci. Gros bisous à toi et à ta petite famille Sandra et bien évidemment un joyeux anniversaire pour le 16 octobre. Ouh, c'est trop mignon, ça me touche trop trop trop. Ça me touche trop trop trop. Donc merci Sandra, merci. Ensuite un autre petit truc salé. C'est du poireau rouge au baie de myrte. Au baie de myrte, du confit, du chutney. Toujours de la marque Charles Antonin et c'est un condiment, se déguste à l'apéritif ou en entrée et accompagne les viandes froides meilleures à température ambiante. Ben, je connais pas du tout, donc ça va être une vraie découverte ça. Je salive déjà d'avance, j'ai déjà mangé mais là ça me donne envie de remanger. Et le dernier qui est quoi? Oh, je pense qu'elle suit vraiment bien mes snaps. Hein. Elle doit savoir, ouh là là, celui-là il s'est un petit peu ouvert, heureusement qu'elle a tout bien protégé.
C'est le miel de Corse, le mele di Corsica, je sais pas si je le dis bien, mais appellation d'origine protégée de la châtaignerie. Oh là 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 là, ça vient de Cutoli, pour ceux qui connaissent, le miel de la châtaignerie. Bon, il y en a un petit peu dedans, regardez, il est un petit peu ouvert. Je vais vous montrer le packaging. Pour celles qui vont en Corse, voilà, vous pouvez retrouver ces petits produits-là. D'ailleurs, il faut savoir que la Corse, c'est une île, j'allais dire un pays. Je ne sais pas si je vais me faire taper dessus par ceux qui sont de Corse ou par les Français, j'en sais rien. Par ceux de métropole. Bref, c'est une île vraiment où j'aimerais vraiment aller. D'ailleurs, j'ai une tante là-bas, je crois, qui y vit, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller la voir. Mais j'adorerais aller en Corse. Je pense qu'avec mon mari, c'est un voyage qu'on va faire pas tout de suite, mais j'ai vraiment l'intention d'y aller et j'espère, Sandra, te rencontrer quand j'irai. Alors, là, je vois qu'il y a un peu de miel qui a coulé, puisque le pot, il s'est un peu ouvert, on va goûter. Hein. Oh my god. Oh là là, ça, c'est du miel de compétition. Mais il est archi fort et archi bon. Merci du fond du cœur, Sandra. Je crois que j'ai ouvert tous mes colis. Je n'ai rien oublié. Je ne sais pas si cette vidéo est en plusieurs parties. Sinon, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À liker si ça vous a plu. À me dire quel type de vidéo vous avez envie de voir sur ma chaîne. Et je vous fais des milliards de bisous. Sandra, bien sûr, tout de suite, je t'envoie des snaps. Tout de suite, je te réponds. Tout de suite, très prochainement, tu recevras toi aussi un petit colis. Je te fais des milliards de bisous, je te remercie du fond du corps, je vous remercie encore d'être là aussi. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, tiens, on va faire un petit challenge. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le petit hashtag team licorne. Vous aurez une chance en plus de gagner le Merci Andy. Allez, salut salut. Hello, on se retrouve pour la suite de cette boîte aux lettres avec un colis, un petit colis comme ça. Je pense que c'est la Beautiful Box puisque j'ai vu que sur le packaging il y avait écrit Beautiful Box. Et la marque a été hyper ravie de ma première vidéo et du coup m'a proposé de me la renvoyer. Elle est trop belle la boîte, elle est trop belle. C'est la boîte comme ça, très très automnale. Elle est trop trop magnifique. J'aime beaucoup leurs boîtes, elles sont très sympas je trouve. Ensuite, comme toujours, on a une grande fiche. Enfin comme toujours, j'ai eu qu'une fois. On a une grande fiche comme ça avec une petite to-do list de l'automne. Petit plaisir du mois, revêtir un pull chaud et tout doux pour par-dessus votre pyjama avec vos plus beaux chaussons. C'est exactement ça l'automne. Hein. Sentez comme il est bon d'être en automne. J'aime trop, 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 trop. Je trouve trop joli, j'aime bien leur petite idée. Comme d'habitude aussi, on a une sorte de petit lot comme ça de cartes avec les produits. Moi, je trouve ça trop adorable leur carte. Hein. À chaque fois, je trouve ça trop, trop rigolo, trop sympa. Le principe de la carte, je trouve ça génial. C'est visuel, l'écriture est sympa, ça donne envie de les regarder. Donc ça, c'est parfait. Je vois déjà un truc qui va trop me plaire. Je vous en ai parlé dans ma vidéo produit terminé d'ailleurs. Oh non, c'est trop bien. Mais ils ont dû lire dans mes pensées, hein, Beautiful Box. C'est le savon douceur à l'huile d'amande douce bio Calisson. Ah, j'adore les Calisson d'Aix. Voilà, c'est la marque secret de Provence. Je vous en ai parlé dans ma vidéo produit terminé. Je vous mets le lien par ici. Mais voilà, j'en ai fini un que j'ai adoré. D'ailleurs, pour laver les brasseaux, pour se laver les mains. Ils sont, il est juste génial ce petit savon. Donc je suis plus que ravie déjà de découvrir ça. Il a une valeur de combien? 4€ les 100 grammes, donc ça reste tout à fait raisonnable. Ensuite on nous met une crème pour les mains ultra nourrissante de la marque MBMO. Donc je ne connais pas du tout. Pareil, EcoCert. Donc top top top. EcoCert comme ceci. Pour les peaux sèches. Ah oui, cherchez à l'huile de baobab. Ah, ça m'intéresse. Bah, attendez, elle est pas operculée, donc je vais pouvoir tester tout de suite et vous dire. Ça sent bon, mais ça sent vraiment le côté un peu plante, vous voyez? Mais ça sent super bon. Alors, elle est assez grasse. Je sais pas si je la mettrai la journée, mais alors, je peux vous dire qu'elle va vous hydrater les mains, là. Je sais pas si vous verrez, mais... elles sont hyper bien hydratées. Il y a le petit côté huileux, en fait, de l'huile de baobab qui ressort. Mais je pense qu'en crème pour la nuit au niveau des mains, parce que moi je mets tous les soirs de la crème pour aller dodo, hein. Donc je pense qu'elle sera parfaite et elle vaut 15,90€ les 50 ml, donc elle n'est pas donnée. Hein. Et du coup vous avez même des bons de réduction etc. sur les sites, donc je vous mets les bons de réduction en barre d'infos parce que là je vais pas tout dire là. Mais ma foi elle a l'air plutôt pas mal et c'est une exclusivité Beautiful Box, donc ça c'est cool. Ensuite on a un produit de la marque Jonzac. Jonzac. À l'eau thermale, réhydrate, un soin léger, réhydratant
Hydratation immédiate et prolongée pour les peaux desséchées, même sensibles, normales, un mix. Pour l'instant, pour l'hiver, l'automne, c'est parfait, hein, tout ce que je vois. Un produit pour la peau, pour hydrater la peau, toujours bio, éco-serre. Un produit pour les mains, parfait. Un petit savon avec une odeur gourmande, parfait pour l'automne. Pour l'instant, je suis ravie. Et ce petit produit-là vaut 13,15€ les 50 ml et à utiliser tous les matins comme une crème hydratante. Je vais juste regarder le packaging parce que une intrigue, c'est trop marrant, c'est un long packaging comme ça. Mais je pense que ça sera ma prochaine crème hydratante. Pour l'instant, je suis toujours sur la marque Aderma. Et là, c'est des laboratoires Léa Nature Laboratoire. Donc, c'est des plutôt bons laboratoires d'ailleurs. Ensuite, on a un tout petit crème comme ça qui est une bébé crème. Miss W, vite fait, parfait, toujours bio. Moi, je suis trop contente de découvrir plein de produits bio comme ça. C'est assez impressionnant de voir à quel point il y en a plein de produits bio. Donc, de Miss W, je connais pas du tout cette marque. Et c'est une bébé crème qui coûte 27€ les 30 ml quand même. Ça, c'est du cadeau. Je peux vous dire que là, dans la box, déjà, c'est plus que rentabilisé. J'essaierai de vous mettre à la fin le prix du prix de la box comparé au prix de tous les produits. Alors elle est fermée, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je suis en train d'utiliser une bébé crème. Donc, mais très prochainement, avec plaisir. Et le dernier produit, si je ne me trompe pas, oui, c'est un soin de nuit solide de la marque NYX. Qui s'appelle Pachamamaï. Non, c'est la marque Pachamamaï. C'est un soin comme ça, voilà, solide. Un soin de nuit, ça m'intrigue. Ça sent bon, c'est une sorte de petite galette comme ça. Ça sent super bon, mais c'est un soin qui s'utilise où alors? Pour la peau? NYX, déesse de la nuit, bienveillante et protectrice, ce soin de nuit recèle de trésors rares pour votre peau, la rendant douce, souple, nourrie et divine. Ça a l'air hyper impressionnant. D'ailleurs, il y a la composition 100% naturelle. Beurre de cocoum, cire végétale et émulsionnante, huile de coco, huile de pépins de framboise, beurre de capuaçu, huile de prune, sang de dragon. C'est quoi le sang de dragon? Si vous connaissez, hein, dites-moi. Hein. Et vitamine E, huiles essentielles de géranium. Sur une peau humide, brumisez avec un tonique par exemple, effleurez légèrement la peau, les pommettes, le front, le cou avec le galet en évitant le contour des yeux et massez délicatement jusqu'à pénétration. Oui, c'est comme une sorte de crème de nuit sauf qu'on n'en met pas autour des yeux. Oh, c'est super sympa, belle découverte. Bon bah écoutez, moi, je suis plutôt conquise par la Beautiful Box. Je trouve que ce sont que des produits cocooning. Donc voilà, ils ont tout compris. Ça, c'est cocooning pour moi parce que l'odeur du calisson, c'est cocooning. Ils ont prévu une crème pour les mains avec une odeur cocooning. C'est parfait, hyper hydratante pour les mains sèches avec l'hiver qui arrive. Deux soins pour votre teint, que ce soit une bébé crème et en plus une hydratation. Et en plus, le soin de nuit. Tout ça, bio. Trop top. Allez, je vous fais des bisous, on se retrouve peut-être pour la suite de la boîte aux lettres, sinon à très très vite.